Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour votre vidéo préférée, le journal créatif de la semaine. Nous sommes au numéro 53 et on entame notre deuxième année du journal créatif. Oui, déjà un an de passé avec notre rendez-vous du dimanche. Ça passe vite. Alors, d'abord, bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Ensuite, je vous explique en deux mots ce que c'est le journal créatif de la semaine. Alors d'abord, j'avais mis un petit sondage aujourd'hui sur ma chaîne pour savoir si vous voulez que je garde le nom de journal créatif pour cette vidéo. Ou si on allait appeler ça le Floustube. À 92%, vous avez dit on garde le journal créatif. Donc je vous écoute et on garde le nom de journal créatif de la semaine pour la vidéo du dimanche. Voilà, alors je vous remercie tous déjà d'avoir répondu à ce sondage. Ma Fifi est là. Les poussières, voilà, une petite fifi est là, bien sûr, ici. Alors, le journal créatif, c'est une récap de toute la semaine, tout ce que j'ai pu faire, bon, principalement en broderie, ça vous le savez, mais aussi en tricot, crochet, quelquefois il y a eu du diamond painting. Je ne vous dis pas qu'il n'y en aura plus, mais je referai du diamond painting de temps en temps. Voilà. Mais on ne fera plus avec les cases, enfin, de vous faire choisir des cases. Quand j'ai envie de faire une case, je la ferai. Quand je n'ai pas envie, je ne la ferai pas. C'est tout. Voilà. Et s'il y a d'autres loisirs créatifs qui se feraient dans la semaine, je vous les montrerai également. Bon, pour l'instant, je crois qu'il y en aura d'autres, mais à partir de la rentrée, je vais voir comment je vais m'organiser un petit peu à la fois pour ajouter quelques petites choses. Bon, bah, Fifi est assise sur mon carnet, comme d'habitude. Alors, il y a également la queue à Fifi. Il y a également un challenge personnel que je fais toutes les semaines. Comme j'avais déjà dit, certaines d'entre vous commencent à le faire, donc c'est sympa, ça me fait plaisir. Mon challenge, c'est de faire en moyenne 3000 croix par semaine. Voilà, donc il peut arriver que je fais 3000, voilà. Il peut arriver des semaines où je ferai moins. Il arrive des semaines où j'en fais plus, ou alors j'en fais beaucoup plus. Alors, j'ai également installé la nouvelle roue sur ma tablette. Alors, par contre, je viens de m'apercevoir que je n'avais plus de batterie sur ma tablette. Donc là pour l'instant elle charge, j'espère qu'il y aura assez de batterie pour tout à l'heure pour qu'on puisse faire le tirage des grilles de la semaine. Bon, on verra. Si, je ne sais pas, elle charge de moins en moins vite ma tablette, donc bon, on verra bien ça tout à l'heure. Bon, je ne voudrais pas qu'elle tombe en panne avec mon pattern keeper dedans, je ne voudrais pas. Bon, Fifi, maman voudrait avoir son carnet. S'il te plaît. Là, comment je fais moi? Hein? Comment je fais? Alors, attends. Voilà, merci, c'est gentil, ma Fifi. C'est toi le plus gentil. Alors, la semaine dernière, au tirage au sort, j'avais choisi, enfin la roue a choisi que je travaille sur plusieurs broderies, bien sûr. Donc il y avait le tigre,
mon Caroline Meaning, le hibou, donc ça, si vous vous rappelez, c'est une broderie qu'on m'avait offert, les pans royaux d'Old Forest, le fox, en salle, je voulais avancer, oui, avancer, parce que je suis extrêmement en retard, sur mon salle du Nouvel An, qui est organisée par moi, le salle Old Forest que Julia a organisé et qui, je crois, est terminé. Mais bon, moi, j'en suis plus très loin de la fin. Vous verrez tout à l'heure. Le salle Alice au Pays des Merveilles, voilà, que j'organise sur mon groupe. En HAED, je voulais travailler sur la japonaise et sur mon paysage. Et en estampé, j'avais la dame celtique de Noël et mon cheval. Ensuite, j'avais bien sûr mes duos. Mon duo Lily Point, mon duo Demeure de Charme. Là, il faut que je vous parle de quelque chose là-dessus. Mon trio Halloween Quaker que je fais avec Geneviève et Sonia. Le Patchwork Sampler que je fais avec mon petit gang de Québécoises. Ensuite, il y avait le sampler au fil étoile que je fais avec Sonia, donc de la chaîne Diamant Rose. Le Long Dog Sampler que je fais avec Geneviève et Sonia. Le Halloween Quaker, je crois qu'on est plus nombreuses, mais je ne sais plus exactement. Mais bon, c'est pas très grave. Et également, un nouveau duo qui a commencé ce mois-ci avec une broderie estampée de Spring. C'était sur le thème de la confiture. Voilà. Alors, j'avais prévu beaucoup de choses, mais ma semaine a été assez compliquée. J'étais pas au top de ma forme cette semaine. Ça fait 8 mois. Ouais, ça doit faire 8 mois que je n'avais plus aucune douleur au niveau de ma langue. Comme certaines d'entre vous le savent, je suis atteinte de glossodynie. Donc, c'est des douleurs qui se mettent sur la langue. Voilà, c'est... Et là, ça faisait 8 mois que je n'avais plus rien du tout. Et cette semaine, c'est revenu d'un coup, comme ça, sans prévenir. Pourquoi, j'en sais rien, puisque voilà, tout allait bien normalement. Donc voilà. Bon, j'espère que pendant la vidéo, ça va me laisser tranquille quand même. Et... En plus, bon, on a été faire des courses plusieurs fois par semaine. Enfin, on est sorti plusieurs fois par semaine. Parce que Chouchou a décidé... Enfin, ça fait un moment que je lui demande, mais là, bon, d'un coup, il a décidé qu'on aille faire des courses pour acheter de la peinture, puis tout ce qu'on avait besoin. Donc là, pour l'instant, il va refaire déjà les toilettes, le petit couloir qui est là. Après, on fera la salle de bain. Et après, ben, un petit peu à la fois. Hein. De toute façon, je suis plus pressée. Hein. Ça fait 7 ans, 7 ans, 8 ans qu'on est ici. On n'a jamais fait grand-chose dans la maison. Donc, voilà. Donc là, bon... donc, il s'est décidé. Donc, on avait été au magasin. Voilà, et puis après, il y a eu le magasin pour les courses normales, tout ça dans la semaine. Et j'ai eu un souci hier. Oui, c'est hier, donc vendredi. Chouchou avait préparé le souper, il avait fait des cuisses de poulet au four. Et d'un seul coup, moi, je vais dans la cuisine et puis j'entends « clac !» Et le four éteint. C'est un four électrique. Et puis plus de alors tout ce qui était prise, pas les lumières, hein, vraiment les prises murales, plus aucune ne fonctionnait dans la cuisine. Du coup, ben
J'ai même appelé mon fils pour qu'il vienne voir, parce que nous, côté électricité, on n'y connaît rien. Et pour voir sur le tableau électrique. Et en fin de compte, ben non, la cuisinière a claqué. Elle a 1 an. Heureusement, j'ai pris une grosse garantie. Donc là, comme c'est week-end, bon, ben, ils vont me rappeler pour faire venir un réparateur. Donc normalement, d'ici lundi, mardi, ils doivent me rappeler pour que j'ai un rendez-vous. Et puis on verra bien. Je ne sais pas pourquoi. Alors, heureusement, le poulet était fini d'être cuit. On a eu du bol. Mais je ne sais pas pourquoi elle a claqué. Parce que je vous dis, elle est neuve, la cuisinière, et puis je ne me sers vraiment pas beaucoup de mon four. Donc voilà. Mais bon, la garantie que j'ai, elle permet soit de faire la réparation, soit de faire un échange. Ils me ramènent une cuisinière neuve, voilà. Ou alors, ils me refont un bon d'achat du montant de la cuisinière. Et je vais en choisir une autre. Alors, Chouchou aimerait bien cette troisième solution, parce que du coup, déjà, lui, il n'aime pas les fours électriques. Il préfère les fours au gaz. Et il me dit, ben, ce serait mieux qu'il nous fasse un bon d'achat du prix de la cuisinière. Et puis, on irait en chercher une autre qui ferait tout gaz. Donc, la semaine a été un peu mouvementée. Voilà, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, en tout cas, je ne regrette pas. C'est rare que je prends des suppléments de garantie. Mais là, bon, comme la cuisinière était électrique, tout ça, j'avais dit, bon, on va prendre une garantie plus. Donc, ils appellent ça le pack garantie excellence. Bon, on le paye, hein, mais voilà. Ça me donnera, soit si ça ne fait pas réparer, ça me redonnera une cuisinière toute neuve. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de parler de mes petits trucs. Et on montre les broderies, Fifi. Tu veux? Alors, nouveauté dans mon journal créatif. Il y a la broderie du lundi. Je vous explique. La broderie du lundi, c'est-à-dire que le lundi, je vais travailler que sur une seule broderie de toute la journée. Bon, bien sûr, je fais des pauses, hein, je vous rassure. Donc, toute la journée, je travaille que sur une seule broderie. J'ai décidé de faire comme ça pour pouvoir avancer un peu plus rapidement sur certaines broderies. Voilà. Donc, cette semaine, la broderie du lundi, c'était mon HAED. Tu sais que ça ne va pas être facile avec toi, là, petite fille. Oui, bouge, c'est mieux. Ça y est, t'as fini ta toilette? Va manger les croquettes. T'as faim? Allez, va manger. Allez, bouge. Bouge, 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 bouge. Voilà, donc j'ai travaillé sur mon HAED, la japonaise. Et j'ai très bien avancé. J'ai super bien avancé. J'étais contente. Voilà. Donc là, il y a une fleur qui est démarrée. Là, il y a ma feuille qui est presque finie. Il y en a une autre qui est commencée. Voilà. Donc là, ben, écoutez, de choisir une broderie. Oui, je vous la mets comme ça, vous verrez mieux les couleurs. De choisir une broderie du coup pour le lundi. Ben, vous voyez, ça me permet de bien avancer. Voilà. Et je suis contente.
Alors, je ne dis pas que tous les lundis, je vais faire celle-ci, hein. Non, j'en ferai, peut-être que la semaine prochaine, je ferai, je sais pas moi, ma grenouille ou bien, ou un autre, ou la steampunk, ou voilà, n'importe quoi, mes pans. Mais le lundi, j'en choisis une et j'avance dessus. Voilà. Alors là, ça m'a permis de faire. Alors, je trouve que c'est pas beaucoup quand même, mais bon, c'est pas très grave. Ça m'a permis de faire 700 croix. Voilà, j'ai fait 700 croix dessus. Je suis arrivée à 4609 croix de fait, soit 6,10%. Voilà. Suis contente. Alors, on m'avait demandé où j'avais eu la toile comme ça, déjà pré-imprimée avec les cases. Moi, je l'avais eue chez de mère en fille. Elle existe en étamine 12,6 fils. Et elle existe en Naïda 8. Voilà. Donc, si jamais, chaque vidéo, je vous le dis, mais si jamais vous n'avez jamais commandé chez De Mère en Fille, pensez, avant de vous y inscrire, de m'envoyer un email avec votre nom, votre prénom, votre adresse email, mais ça, je l'aurai automatiquement. Pour que je puisse vous envoyer une invitation qui vous ramènera 15% de réduction sur votre première commande de 30 euros. Voilà. Et moi, ça me ramène aussi du parrainage, donc pour me permettre de commander aussi sur cette boutique. Alors, je vais prendre mon crayon. Comme ça, je pointe comme à chaque fois pour Ah, mais tiens, j'ai fait deux fois la même broderie. Oh, bon, c'est pas grave. Alors, bah, je vais vous la montrer. Au niveau des estampés, j'ai donc travaillé deux fois. J'ai pas fait gaffe que, mais bon. Sur mon estampé, le cerf, voilà. Je vous remets l'image, hein, ce sera plus simple. Donc, j'ai avancé ici. Voilà. Et donc, sur la semaine, j'ai fait en tout 400 et 100. J'ai fait 500 croix. Voilà. Donc, bon, je vous montre derrière, comme ça vous voyez comment j'ai avancé. Bon, il n'y a pas grand-chose de fait dessus, mais un petit peu à la fois, j'avance. Et là, j'en avais fait 100 du coup bah, dimanche. Et j'en ai fait 400 aujourd'hui. Voilà, mais j'aime bien, c'est agréable à faire. Celui-là est agréable parce que c'est du bloc. C'est vraiment du bloc, du bloc, du bloc, du bloc. Pas de point arrière, pas de point, pas rien. De la croix, de la croix, de la croix. Voilà. Donc, vraiment, la broderie zéro cerveau, comme on appelle ça. Ensuite, mon duo. Alors, qui sera par la suite un trio, je vous avais expliqué. Mais ce mois-ci, pour l'instant, c'est un duo. C'est sur la série des broderies de chez Spring. Voilà. Donc là, c'est la confiture. Donc, j'ai fait ici, j'ai fait ici. Désolée si vous avez des fois des petits silences. C'est parce que des fois, j'ai mal. Donc,
Bon, j'ai pas avancé énorme dessus, mais j'ai tout le mois pour le faire. Donc ça me va très bien. Et là, j'avais fait 467 croix. Voilà, je les ai comptées. C'est agréable à faire, hein. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil, c'est un peu la broderie zéro cerveau. Alors, il y a toute une série. Il y a le pain, les biscuits, le fromage, les œufs, l'huile d'olive, le vin, les confiseries, les agrumes, le thé et café. Voilà, il y en a beaucoup. Je crois qu'il doit y en avoir une douzaine. Si je me trompe pas, mais nous on va pas faire les 12 hein, puisqu'il y en a déjà une que moi je n'aime pas, c'est celle sur le vin. Donc voilà, mais bon, après, je sais pas laquelle on va faire après, mais bon, on verra bien. Oh, j'ai une sale tête. Ouh. Allez, on passe aux choses sérieuses. Allez, je prends au fur et à mesure que ça arrive. Oh, j'ai perdu mes plaquettes de fil. J'ai avancé, j'ai travaillé dessus aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'une de mes abonnées m'a offert une broderie. Je vous remets l'image. Donc, c'est une broderie c'est Nova Sloboda. Voilà. C'est une broderie qu'elle avait achetée à la maison du canevas. Voilà. Et qu'elle m'a offert. Donc, c'est une vraie merveille. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. En plus, moi, les hiboux. Ouais, j'aime beaucoup les hiboux, les papillons. Bon, j'aime plein de choses, de toute façon. Et donc, je travaille dessus de temps en temps. Et j'ai travaillé dessus aujourd'hui. Alors, voilà où j'en suis. Alors, ça, c'est la toile d'origine. Hein. Voilà. C'est une toile Aïda. Une Aïda combien? 16. Une Aïda 16. Voilà, qui est déjà teinte. Et vraiment très jolie. Alors, voilà où j'en suis. Alors on dirait pas, hein, mais il y a quand même pas mal de points qui ont été faits. J'ai fait plus ou moins 400 croix. Voilà. Donc un petit peu à la fois. Bon, je suis pas pressée, mais voilà. Alors j'ai mis un petit aimant de circonstance, vous voyez. C'est un aimant, bien sûr, de Sabine, de poussière d'étoile. Je ne pouvais pas en mettre un autre pour cette broderie. Donc celle-ci, c'était plus ou moins 400 croix, puisque là, je travaille directement avec le patron papier. Ensuite, j'ai mes yeux qui pleurent. Alors, on est à plusieurs. À plusieurs. Non, on est à trois à le faire. Donc, Sonia, Geneviève et moi. C'est Long Dog Sampler. Et c'est le modèle Two Men's Maurice. Voilà. Donc, je vous montre le modèle. Je vous aurais peut-être mis la photo, je ne sais pas. Voilà. Et je la brode avec ce fil. Donc, c'est un fil. Ce n'est pas un fil variation, c'est un fil multicolore DMC.
Et c'est Nuit canadienne. Alors, voilà où j'en suis arrivée. Bon, j'avance pas énormément, mais j'avance. Donc, j'ai fait toute cette partie-là, ici. Et pour faire cette partie, j'ai fait 300 croix. Ce qui fait que je suis arrivée à 3156 croix, on dirait pas hein, comme ça, soit 8,08. Non, 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 je me trompe, c'est pas celui-là, c'est celui en dessous, autant pour moi. J'ai fait 250 croix, voilà, et j'ai fait 1327 croix, oui, c'est mieux. 1327 croix en tout, je suis à 3,38%. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà, là, vous voyez mieux les couleurs. Oui. Mais alors, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, lui, je le brode sur une toile de lin, 16 fils. Donc, c'est plus, beaucoup plus fin, bien sûr, que... l'étamine 12 fils hein, avec laquelle je brode d'habitude, mais ça me va très bien avec ma loupe, il n'y a pas de souci. J'ai chaud, ça se voit ma tête de toute façon. Alors celui-là, c'est bon, je vous l'ai dit. Ensuite, bien là, j'ai repris. Alors, ça faisait un petit moment, enfin, pas trop longtemps, mais ça faisait quelques semaines que j'avais pas travaillé dessus. C'est mon Fox. Voilà, celui-là, le The Fox de Cottage Garden, voilà. Alors, c'est dessiné par Vignier P.S. Tan. Voilà. Et j'en suis... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une erreur au niveau de la queue, oui, une erreur encore. Je vais vous remettre une photo avant que je la... J'espère que j'ai gardé la photo avant que je démonte, oui, je crois. Avant que je démonte, je vous mets la photo une fois démontée. Et je vous montre maintenant où j'en suis. Voilà. Donc du coup, pour l'instant, j'ai un peu abandonné le reste de la queue. Mais voilà, donc c'est sur une étamine 12.6 fils, c'est un gris vintage, je crois. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Donc, je l'avais démonté en regardant la télé le soir et puis j'avais refait quelques points le jour même et j'ai repris dessus donc quand jeudi. Voilà, je l'avais démonté mercredi. Alors, mercredi, j'avais refait une centaine de croix dessus et jeudi, j'en ai refait 250. Donc, ce qui fait 350 croix que j'ai refait sur cet ouvrage. Voilà. Il est tout beau, mon Renat. C'est un modèle qui plaît bien, ça. Alors. Là. Et ici. Alors, on est à
30 minutes de vidéo. Bon, je ne sais pas si je ferai les 2 heures, mais bon, c'est surtout que comme je suis très fatiguée, on va voir comment je vais faire. J'espère que vous m'en voudrez pas si la vidéo ne fait pas 2 heures. Ensuite, oui, alors, catastrophe. Ouais, là, c'est la catastrophe. C'est un duo que je fais. La catastrophe vient de moi. Et j'avais super bien avancé dessus. Mais j'ai les boules. Donc là, je vais le mettre de côté une semaine ou deux. Parce que là, j'ai trop les boules. C'est la demeure de charme, donc de poussière d'étoiles. Voilà, que je fais en duo avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Donc là, on se fait à peu près 250 croix par semaine. Il faut qu'on arrive à 1000 croix par mois. Et j'avais super bien avancé. Et d'un coup, je brode donc ici, je brode là. Et je me dis, il y a un problème. Je ne tombe pas juste. Donc, je recompte. Si là, de ce côté-là, c'est bon. Je recompte ici, c'est bon. Là, je compte là. Et je compte ici. Cette fenêtre-là. J'ai oublié une croix. Alors, vous me direz, une croix, c'est pas grave, mais là, si, parce que c'est une croix qui montre la largeur de la fenêtre. Donc, elle est indispensable. Donc, il va falloir que je démonte tout ça. Tout ce que j'ai fait ici, je dois le démonter. Et je dois démonter les deux rangs qui sont là pour décaler d'une croix. Refaire une croix, refaire cette partie-là. Et après, ben, je pourrais refaire ça. Je ne vous dis pas comment j'ai les boules. Pourtant, là, celle-là, elle est sur Pattern Keeper. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Mais bon. Bon, j'ai l'habitude de faire des erreurs, hein, vous le savez. Mais celle-là m'oblige, je ne peux pas bidouiller du tout. Donc, elle m'oblige à tout démonter. Donc, je vais démonter tout ça. Et puis voilà, du coup. Hein. Alors là, je pense que je vais devoir l'enlever également. bon, là, il n'y a pas grand-chose, donc ça va. Mais voilà, ce qui me fait mais plus les boules, c'est cette partie-là que je dois entièrement démonter. Bah, tant pis, hein, on va démonter. Hein, mais bon, là, j'attends quelques jours avant de démonter. Et puis, après, je me remettrai dessus. Mais j'ai les boules. Donc, sur celle-là, j'avais fait... quand je me suis aperçue que je m'étais trompée, ça va, j'avais pas fait beaucoup puisque j'attaquais, j'ai fini ici, voilà, il y avait une partie ici qui n'était pas brodée et j'ai attaqué là, donc c'est-à-dire 81 points. Heureusement que j'ai pas avancé plus, hein, parce que, mais voilà. Donc là, en plus, je ne vais pas changer de toile. Je vais démonter et je leur donnerai un petit coup de fer pour que les mailles se remettent bien. Voilà. Bon, ça arrive. Hein. Je ne suis pas la première à qui ça arrive. Je ne suis pas la dernière. Hein. Quand Pénélope vient chez vous... Les brodeuses connaissent Pénélope. Voilà, bah, du coup, celle-là est stoppée pour l'instant.
suis désolée pour Amélie, mais bon, je vais lui dire en même temps, de toute façon, si elle veut le continuer à son rythme, ben, je vais la laisser continuer et moi j'essaierai de rattraper un petit peu à la fois après. Voilà. Ensuite, ici. Alors. J'ai pas pris la toile, mais ça vient, je vais vous mettre une photo. Ici, on va dire que c'est pareil. J'ai pas refait beaucoup encore. Oh, décidément, je fais tomber tous mes fils. C'est mon tigre. Je vous remets une photo là, je vous explique. J'avais déjà bien avancé, enfin bien avancé entre guillemets. J'avais déjà fait un bon petit morceau et en voulant le reprendre, en continuant de vouloir le broder, je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs erreurs. Bon, je sais que certaines vont me dire c'est l'inattention de faire tout le temps des erreurs et ceci. Bon, l'erreur est humaine, hein, donc voilà. Et moi, comme je n'ai pas une vue aussi extraordinaire, bah, des fois, je vois un peu trouble et puis voilà, je me plante. Mais là, il y avait vraiment plusieurs erreurs. Ça m'aurait décalé. J'arrivais pas à rattraper. Parce que des fois, il y a des erreurs et puis je rattrape, je bidouille. Voilà. Et là, j'arrivais pas. Donc, j'ai stoppé tout de suite. Et j'ai pas voulu démonter ce que j'avais fait tout de suite. J'ai dit ça, c'est pareil. J'ai mis la toile de côté. Et je démontrais un dimanche soir devant la télé, voilà, pour pas, je ne vais pas, surtout pas perdre la toile. C'est une toile en plus de chez Poussière d'Étoile. Donc voilà, donc un dimanche soir je démontrais et puis pareil, je vais repasser ma toile et elle sera repartie pour une autre broderie. Donc j'ai changé de toile. Alors j'ai pas coupé ma toile. J'ai laissé telle quelle. J'ai pas voulu la couper. J'ai comme ça, moi, je suis tranquille. Je récupérerai, quand elle sera finie, je récupérerai s'il y a des morceaux en trop. Les morceaux en trop, de toute façon, seront sur les côtés. Et j'ai recommencé, donc, mon tigre. Bon, du coup, là, il n'y a pas grand-chose de fait. Voilà. Que ça, mais je le brode cette fois-ci sur une toile de lin 16 fils blanche irisée. Voilà, vous voyez, on voit que ça brille. Alors, celles qui connaissent ce modèle du tigre, j'ai dû vous remettre la photo. Vont dire, bah oui, mais pourquoi prendre une toile irisée? Alors que c'est une couverture totale. On est à, alors je sais plus qui il y a Sonia qui le fait. Qui c'est qui le fait encore? Je sais plus. J'ai pas une bonne mémoire en plus cette semaine. Enfin bon, il y a Sonia et d'autres filles qui le font. On a décidé, enfin c'est eux qui l'avaient décidé avant, mais j'étais OK aussi. Donc on ne fait pas le fond. Le fond blanc qui est autour du tigre, on ne va pas le broder. On va juste broder ben, le tigre, les fleurs, enfin voilà. Mais le fond blanc, on ne le brode, on va pas le broder. C'est pour ça qu'on est, je crois qu'on a toutes choisi une toile irisée comme ceci. Et ça va donner du relief à notre broderie quand elle sera terminée. Voilà. Ah, j'ai oublié un petit point là. Il faudra que je le fasse. Voilà. Alors là, pour essayer de ne plus me tromper, il m'en manque un. Ah.
Non, il est dedans. Pacha, va là-bas. Pacha, va là-bas. Allez, va dans le tien. Panier. Allez. Voilà. Là, tu vois bien qu'il y a Géry déjà. C'est une manie qu'ils ont en ce moment. Ils veulent dormir dans le même panier. oui, donc là, je travaille case par case. Voilà. Je fais mes 100. Donc, dans une case, il y a 100 points. Je fais mes 100 points. Quand ils sont faits, je vais à la case d'à côté. Hop, etc. Parce que j'ai plus envie de me tromper. Et je pense que ça ira beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, bah, retour à la case départ. Hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, vous voyez, je fais comme ça. Hop. Alors, je stabilote. Alors, la première case est jaune, la deuxième est bleue, la troisième est jaune, la quatrième sera bleue. Voilà. J'essaie de me faire des trucs, mais pour que je vois bien. Parce que là, je brode sur papier avec le patron papier. Là, c'est un que j'ai imprimé, hein, bien sûr. Mais au moins, j'y vois plus clair. Voilà. J'ai pas envie de me retromper. C'est vrai que des fois, j'en ai marre de faire des erreurs. Mais voilà. Alors, du coup, là, j'ai fait 300 croix. Voilà. J'ai fait 300 croix, tout juste. Et je vais essayer de me tenir à ce rythme-là à chaque fois que je sortirai cette broderie. Vous voyez, ça a été une semaine assez compliquée, hein. Même au niveau des broderies, c'était pas top. Je vous montre juste une seconde, je fais une pause de 5 secondes, mais pour vous, c'est un dixième de seconde. Je vais me chercher quelque chose à boire et me prendre un bonbon à la menthe pour essayer de calmer ma douleur parce que ça commence à m'énerver. Me revoilà. Bon, j'espère que ça va aller hein, jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai avancé sur mon Caroline Manning. Voilà. Donc, j'ai terminé les petites choses qu'il y avait à l'intérieur. Bon, sauf là, j'ai encore. J'ai pas terminé, il me reste une couleur à mettre là, deux rangs d'une couleur. Mais voilà, mon Caroline Manning. Je trouve de plus en plus joli, j'aime beaucoup les couleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux les couleurs. Voilà. Alors, celui-là, j'ai fait 250 croix. Donc, j'ai oublié de marquer le pourcentage. Ah, ben non, c'est vrai, le pourcentage, je ne le marque plus. Puisque je ne fais pas le fond de la broderie, je vous l'avais déjà expliqué, je ne vais pas faire le fond en 33-65. Parce que c'est pareil, c'est une couverture totale normalement. Donc, moi, je ne fais que le dessin. Et donc, j'ai fait 250 croix. J'en suis arrivée à 2528 croix. Voilà. Mais toujours aussi agréable à faire. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on est plusieurs à le faire. Ce n'est pas des duos, hein. On est plusieurs en même temps à le faire. Parce que bah, c'est vraiment un joli modèle. C'est le Garden Gift, celui-là. Bon, il est très très beau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore montré? Ça, c'est un grand. Celui-là, vous l'avez vu. Celui-là aussi, j'ai oublié de le barrer. Ensuite,
Oui. Alors là, j'arrive bientôt au bout. Il me reste 11% à faire. Donc ça va. Alors, je vais peut-être vous mettre une photo, mais sur la photo, il manque un bout. Je vous explique. Voilà. Donc c'est le Salle All Forest que Julia a organisé. Alors j'ai terminé en haut. Ici, ma frise est terminée. Tout le haut ici est fini. Là, ouais, tout ce côté-là, tout ça, c'est fait. Là, il n'y a plus rien à faire. Je suis en train de faire ici. Donc sur la photo, vous n'avez pas vu, c'est ça. Je l'ai fait après la photo, je ne sais pas pourquoi. Là, il restera quelque chose à broder également. Voilà. Ici aussi. Et il y aura toute la frise du bas à broder. Et il sera terminé. Donc, il reste, ouais, 11%, un tout petit peu plus de 11% à faire. Mais je suis vraiment contente d'arriver bientôt au bout. Et là, bon, je vous dis, j'ai fini la frise. Vous voyez? Vraiment très joli ce modèle. Sur les modèles Old Forest, ils sont tous très jolis, hein. Il y a de très beaux modèles. Alors vous pouvez aller, hein, sur le site All Forest. Il y a beaucoup de modèles gratuits. Après, il y a des modèles payants. Mais ils sont vraiment tous très très beaux. Moi, je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? J'ai fait 400 croix. 400 croix tout rond. Je suis à 11 218 croix de fait. Et donc, je suis à 88,86%. Voilà, vous voyez, donc il me reste un petit 11% à faire. Et il sera terminé. Il est très beau. Non, il fait l'au-delà. Va là-bas, s'il te plaît, Pacha. Allez, Pacha. Allez, hop, va là-bas. Allez, va dans ton panier. Tête de mule, lui, hein. Va dans ton panier. Eh ben, tu n'auras pas de panier à gérer. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas de panier attitré, hein. Chacun va où il veut. Ça va dans les paniers, ça va dans les fauteuils. Ce n'est pas notre maison à nous. C'est nous, on vit chez eux. Voilà. Donc, celui-là, c'est bon, je vous l'ai montré. Ensuite, oui. Alors ici, c'est un duo que je fais avec Céline. Nous brodons toutes les deux un modèle Lily Point sur le thème du chat. Moi, voilà le mien. Voilà celui à Céline. Donc vous voyez, c'est pas le même modèle, mais c'est un Lily Point tous les deux. Et on fait quatre cases. Chaque semaine. Qu'est-ce que tu as vu? Il n'y a rien. On fait quatre cases par semaine. Voilà. Bon. On parle de chat, hein, elle vient. Donc j'ai brodé cette phrase ici. Donc tendez l'oreille. Toujours agréable à faire, toujours très sympa. Vous allez rire. J'ai, alors là, il n'est pas question que je démonte, hein, pas du tout. J'ai, ah, Fifi, s'il te plaît.
Maman, elle explique. Allez, bouge. Bouge, 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 bouge. Bah, couche-toi. Il me manque une ligne. Si vous voulez, j'ai. Alors, je sais pas si c'est ça que j'ai mis trop bas ou je sais pas, ou si c'est le chat qui a décalé d'une ligne. Si vous voulez, là, ici, entre le T là et la première croix qui était là, normalement, il fallait quatre croix, enfin quatre cases. Il y en a trois. Vous voyez rien? Non, c'est bon. Donc ça va. Mais bon, je vous le dis, hein, ça c'est ma marque de fabrique. Hein. Moi, il faut qu'il y ait. À chaque fois, il faut qu'il y ait un truc qui ne va pas sur mes broderies. Mais bon, je ne fais pas exprès. Hein. Alors, là par contre, 4 cases, ça ne fait jamais beaucoup de points. Là, il y en a eu 106 de fait. Voilà, mais bon. Pour un coup. Donc ça, c'est fait. Et j'ai pas travaillé dessus là. Non. C'est les ours de Noël. Cette semaine, j'ai pas fait. Moi, je crois que c'est tout pour ce panier-là. Non. Non. Donc, pour ce panier-là, c'est tout. Je refais une pause de 1/10 de seconde pour vous. Je remets toutes mes broderies dans la malle et on voit le reste. On continue. Alors. J'ai rattrapé mon retard, mais je n'ai pas fait cette semaine. Donc, cette semaine, je la ferai demain en faisant le montage de ma vidéo. Voilà, c'est ma maison météo. Voilà. Donc, j'étais en retard sur deux fenêtres. Donc, elles sont faites. Voilà. Et la fenêtre de cette semaine est ici. Donc, je vais la faire demain en montant ma vidéo. Ça va très vite. Voilà, j'ai pas fait la troisième parce que ben, ça, les deux fenêtres, je les ai fait dimanche en montant la vidéo de la semaine dernière, et du coup, je ne pouvais pas faire tout de suite celle-là puisque j'avais pas encore les températures, donc, mais elle sera faite demain. Voilà, donc, voilà où j'en suis. Ça commence à chauffer, hein, vous voyez. On commence quand même à avoir du jaune, du rouge, du orange. Enfin, on n'a pas encore le rouge, mais on a le orange. Et cette semaine qui arrive, je pense qu'il y aura encore des températures. Ils annoncent des grosses températures encore. Nous, dans le nord, ils annoncent jusqu'à 36. Je vais mourir. Mais voilà. Sinon, ben voilà. Donc là, j'ai la boiserie à faire. Je ferai celle-là également. Et je remplirai ma semaine avec les températures de cette semaine. Voilà, qui seront aussi jaune, orange, dans ces tons-là. Je ne sais plus les températures qu'on a eues cette semaine, mais je sais qu'il y a des journées où on a eu très chaud. Donc voilà. Bon, moi je suis dans le nord, hein, donc voilà, j'ai pas d'extrême quand même. Mais cette semaine, ils nous annoncent quand même 36. Moi qui n'aime pas la chaleur. Moi, ma saison préférée, c'est l'automne. L'hiver, bon, faut pas qu'il fasse très froid. Et l'été, moi, le soleil me fait mal aux yeux. Et en plus, les chaleurs, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. C'est peut-être parce que je suis née en automne.
Mais c'est vrai que j'ai du mal avec l'été. Mes saisons préférées, ouais, le printemps et l'automne. Vous voyez les intermédiaires. Là, je suis bien. Là, même l'automne, s'il pleut, qu'il fait du vent, quoi, je m'en fous, ça, j'aime bien. Mais l'été, j'ai beaucoup de mal à le supporter quand il fait très beau. Parce que je dis avec mes yeux, j'ai les yeux très très fragiles, ils ne supportent pas le soleil. Normalement, en plus, je devrais porter des lunettes fumées, mais ma mutuelle ne rembourse pas les verres fumés. Bah, cette fois-ci, quand j'ai changé mes lunettes, j'ai pas pu en mettre. Parce que j'aurais dû donner 400 euros de ma poche et c'était impossible. Donc voilà. Pardon. Donc voilà. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors, ensuite, là, dans ce sac-là, non, c'est tout. C'est dans l'autre sac. Alors j'avais fait combien de croix pour ma 118 croix pour une fenêtre. Voilà. Donc j'ai fait deux. C'est ça, j'ai fait deux fenêtres. Pourquoi j'ai marqué une fenêtre? J'en ai fait deux. Je sais plus. Je ne sais plus. Plus bon, c'est pas grave, il me reste une fenêtre à faire. Ensuite, bah, je crois que j'ai plus qu'une seule broderie à vous montrer. Alors je viens de vous montrer la maison météo, celle-là vous l'avez vue, celle-là aussi, là. Oui, je n'ai plus qu'une seule broderie à vous montrer. Déjà. Alors, celle-ci, c'est un duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. On brode toutes les deux ce sampler. Voilà. Et on le fait en fil étoile de DMC. Donc, moi, je le fais sur... Voilà où j'en suis. Alors, c'est une étamine 12,6 fils bleu canard. Alors, j'essaye de vous montrer pour que ça brille. Ah, là, vous aussi. Ah, ben là, vous voyez que ça brille. Vous voyez? Alors, je le fais avec... Alors, je vais vous marquer à l'écran. Je ne me rappelle jamais des couleurs que j'ai utilisées. Mais donc, j'ai un bleu un peu turquoise, un bleu marine, on va dire, et ici un jaune un peu or. Voilà. Alors, cette couleur-là n'était pas prévue au début. C'est quand j'ai attaqué l'encadrement, enfin, j'allais attaquer l'encadrement, pardon. Je me suis dit... Pff, ça fait du bleu, 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 bleu. Ça fait trop bleu. Donc j'ai choisi de faire les cases, les encadrements de cases, voilà, avec ce jaune. Ça va donner une petite touche de couleur, voilà. Je pense, non, mais je sais pas, je pense. Ça fait très joli comme ça. Bon, Sonia l'a vu, elle a trouvé ça super beau. Donc, bah, je ne suis pas déçue, du coup, je continuerai comme ça. Donc, tous les encadrements seront faits de cette couleur-là. Et bah, j'aime beaucoup. Je vous montre ici celui de Sonia. Voilà. Donc, elle le fait sur une étamine 12,6 fils couleur rubis. Et elle le fait avec le fil étoile blanc, si je ne me trompe pas. Sonia vient me corriger si je me suis trompée. Mais elle, c'est le blanc. Voilà.
Et donc, moi, je le fais avec trois couleurs. Donc, j'ai vraiment beaucoup. Donc, voilà. Alors, niveau des broderies, ben, je vous ai tout montré. Alors, attendez, je ne vous ai pas dit le nombre de croix que j'ai fait. Oui, j'ai fait 300 croix, parce qu'on fait 300 croix par semaine. Ce qui fait que je suis à 3156 croix et je suis à 8,08%. Normalement, si on ne s'est pas trompé, on est pareil, toutes les deux. Voilà. Alors, niveau challenge, alors bon, j'ai l'impression de ne pas avoir fait beaucoup de broderies par rapport à certaines fois. Mais je vous l'ai dit, j'ai manqué un peu de temps, j'étais pas top. Ça, voilà. Donc, j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire. Mais niveau challenge, alors je vous ai dit, moi le challenge, je me base sur 3000 croix par semaine. Voilà, ce qui fait. Normalement, j'essaye de me baser pour faire 250 croix par broderie. J'essaye de m'y tenir. C'est à peu près ce que je fais. Bon, là, il y en a quand même où j'ai fait 400, 300. Bon, l'achat ED, là, 700, mais je n'avais que celle-là sur la. Comment? Sur la journée. Mais si on calcule, si j'aurais fait comme d'habitude. 3 broderies sur la journée, ça me faisait ça, 250 x 3, 700. Voilà. Non. Pff, non. Bon, à peu près. Fait 2 broderies et demie. Je ne sais plus calculer, j'en ai marre. Oh, cette tête. Donc, cette semaine, alors, mon objectif était 3000 croix et j'en ai fait 3972. Voilà. Donc, j'ai réussi mon challenge et je l'ai bien dépassé de 972 croix. Donc, c'est très bien. Ensuite, on va... alors, je vais regarder si la tablette s'est chargée. Donc, je refais une pause d'une demi-seconde. Je vais chercher ma tablette. J'espère qu'elle s'est assez chargée. Et on va faire le tirage au sort avec la roue pour les broderies de la semaine prochaine. Bon, ben, c'est pas chargé. Je ne sais pas ce qu'il a, ce qu'elle a. Je crois qu'il va falloir que je la charge avec une autre prise. Mais bon, on ne sait rien. On verra plus tard. J'espère que j'arriverai à faire mon tirage au sort jusqu'à la fin. Il ne me reste que 15% à peine. Donc, voilà ma nouvelle roue. Allez, on va tirer au sort. Alors, on va essayer d'en tirer. Alors, moi, je compte 2 broderies par jour. Donc, ça ferait 14, mais on va en tirer qu'une dizaine. C'est déjà pas mal. Alors, j'espère que je les ai toutes mises. Mais on verra bien. Ben, la confiture. Voilà. Alors, je vais les marquer sur une feuille pour l'instant. On retire la confiture. Languedoc sans pleurs. Lily point. Bon, ça c'est un que je fais automatiquement, mais bon, c'est pas grave. On en retire un. Oh, le colibri. Le petit colibri. Alors, le sale, c'est terminé. Oh là là, il me reste que 5% de batterie. Je crois qu'on n'arrivera pas au bout. Je crois qu'on n'arrivera pas au bout. L'automne. Ah, l'automne Quaker. Ah, ça, c'est top.
Allez, on va se dépêcher. Là, j'en ai déjà 5. Le Julia, donc je marque Julia. Ça... Ah, j'ai oublié d'enlever le Autumn Quaker. Bon, c'est pas grave. Ah là là, ça marche plus si. Le Bouddha. Voilà. L'aquarium, tiens. Ah ben, cette semaine, je crois qu'on va faire des broderies que je ne fais pas souvent. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2. Le hibou. Et une dernière. Ah, j'ai oublié d'enlever le hibou, mais c'est pas grave. Non, demeure de charme, non. Alors. Est-ce qu'il faut que je le démonte avant? Ah, la steampunk. Voilà. Donc là, j'en ai 10. Donc, le duo, la confiture. Le long sampler, le lily point, le colibri, l'automne quaker, donc celui-là je le recommence, hein, vous vous rappelez, puisque je l'avais fait, je m'étais trompée dans, sur ma toile, je l'avais coupée alors qu'il ne fallait pas la couper, donc je ne l'ai pas encore recommencé, bah, ce sera l'occasion. Le Julia, le sale de Julia, le Bouddha, l'aquarium de l'UKS, le hibou, donc celui que l'on m'a offert, et la steampunk. Voilà, les 10 que je vais prévoir cette semaine. Et s'il me reste du temps, si j'ai un peu plus de temps, j'en rajouterai d'autres. En sachant que, du coup, dans ces 10-là, moi, je vais prendre le sale de Julia, le All Forest, qui est presque fini, c'est celui que je vous avais dit qui restait que 11%. Ce sera ma broderie du lundi. Voilà. Comme ça, ben, j'espère que je pourrai le terminer. Alors, ben, c'est un bon tirage au sort, je trouve. L'aquarium, ben, ça fait un bon moment que je n'ai pas travaillé dessus. Il est encore presque au début, hein, il y a pas grand chose de fait. Donc ça c'est intéressant. Le colibri, oui, parce qu'il faut que je rattrape mon retard. et les autres, voilà. Bah, le lit point, je le fais toutes les semaines. Le confiture aussi. Le Autumn Quaker, bah, je vous dis, je suis contente parce que je vais pouvoir le commencer. Et voilà. La steampunk, bah, ça, j'aime beaucoup et j'aime bien la continuer. Alors, je vais refaire une petite pause d'une demi-seconde pour vous. je vais profiter pour aller brancher ma tablette plutôt dans la cuisine en direct sur une prise. Je crois que ça ira mieux parce que là, elle est branchée sur une multiprise. Et je crois que c'est ça qu'elle n'aime pas. Je crois que quand il y a plusieurs prises sur une prise, je crois qu'elle n'est pas OK, ma tablette. Donc, je vais la rebrancher. Et on va voir ce que j'ai fait en tricot cette semaine. Me revoilà. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais. La vidéo va pas être longue. On est à 1h10. Promis, la semaine prochaine, je vous fais une méga, big, énorme vidéo. J'espère. Oui, j'ai oublié. Dans le tirage au sort, il n'y avait pas la maison météo. Bien sûr, parce que celle-là, c'est automatique. Chaque semaine, je la fais. Voilà. Alors, niveau broderie, il a fait chaud. Niveau tricot, il a fait chaud. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à tricoter, mais j'ai quand même avancé sur mon pull Armel.
Voilà, c'est un pull de chez Fildard. C'est un modèle Fildard. Hop, si j'arrive à le dépatouiller. Voilà. Hop, donc je suis sur le devant. Hein. Le dos est déjà fait. Et j'ai quand même avancé tout ça. J'ai fait 12 rangs. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Enfin, j'aurais pu faire plus. Mais j'ai réussi à le prendre qu'une seule fois cette semaine. Il faisait trop chaud. J'avais les mains moites, j'avais le ventilo. C'était impossible de tricoter. Voilà. Et encore heureux, celui-là, c'est pas de la grosse laine. Donc celui-là, je vous rappelle, je le tricote avec ça. Le fil eucalyptus, voilà. C'est un fil 100% lyocell et c'est la couleur, je ne me rappelle jamais, lagon. Voilà, c'est la couleur lagon. Alors cette couleur-là n'est plus vendue sur Fildard. Moi, c'est des pelotes, j'avais reçu 10 pelotes gratuites, enfin gratuites, non, pas gratuites. Fildard fait des lots pour 30 euros ou 50 euros. 50 euros, c'est pour les fils, comment je vais dire, pas soyeux, mais... les fils qui coûtent cher, voilà, tout simplement. Les fils où il va y avoir du brillant dedans, où il va y avoir... Voilà. Et après, il y a un lot de 30 euros. C'est tout de l'acrylique. Et vous avez un lot de 30 euros où c'est les fils spéciaux, on va dire. Donc, moi, j'avais pris celui avec les fils spéciaux et j'avais eu ça dedans. Donc, ils essayent au maximum. Moi, pour l'instant, j'ai toujours eu des 10 couleurs, enfin 10 pelotes de chaque, de ce qu'ils me mettaient dans le paquet. Donc là, j'en avais eu 10, mais vu ma taille, je reviens toujours sur ma taille, hein, je suis désolée, mais vu ma taille, 10 pelotes, j'avais pas assez. Donc, j'ai eu du mal à en retrouver pour faire mon pull. Parce qu'en plus moi je l'ai rallongé de 10 cm parce que sinon il était trop court pour moi hein, because le bidou hein, le bidou fait tout remonter donc j'avais retrouvé des pelotes comme ça chez Mondial Tissu mais sur le site internet hein, voilà sinon Fildard cette couleur là ils ne l'ont plus, c'est dommage mais bon. C'est pour ça qu'il la mettait dans les lots. Voilà, quand les laines qu'ils vous mettent dans les lots, c'est des laines qu'on ne retrouve plus par la suite sur le site. Donc voilà. Je pense que je vais bien. Bon, j'ai plein de laine. Mais alors, ma laine, de toute façon, je pense que je vais faire un tri. Parce que j'ai énormément de laine. Hein. Vous avez déjà vu ma tricothèque. Je vous ai déjà fait des vidéos. Mais j'ai énormément de laine dedans, de laine de coton, voilà. J'ai des laines aussi d'action, voilà. Je vais faire du tri et je vais revendre ce que je garde pas parce que il y en a en fin de compte qui me plaisent pas ou alors je sais pas quoi faire avec, voilà. Surtout les actions. Donc, je verrai dans cette semaine si j'ai le temps d'aller faire mon tri. Et je les mettrai sur mon groupe Vie d'Atelier. L'adresse est en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je mettrai mes laines à vendre sur mon groupe. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir et puis me les acheter si ça vous intéresse. Je dis ça, c'est parce que j'ai envie de me reprendre. J'ai envie de me reprendre un lot Fildard. C'est des lots de fin de série, hein. Mais je vous dis, à chaque fois, on a quand même 10 pelotes à chaque fois. Moi, j'ai toujours eu 10 pelotes à chaque fois.
J'ai bien envie de me reprendre un lot, mais un lot à 30 euros, hein, pas à 50. Et puis on verra bien ce que j'ai. Voilà. Donc, ouais, je pense que je vais faire du tri cette semaine. Et puis, parce qu'il y a des laines que je ne me servirai pas. Et je trouve ça un peu bête, déjà, de les avoir achetées. Et puis, c'est un peu bête de les garder sans savoir ce que je veux faire avec. Voilà. Donc, vaut mieux faire plaisir en les vendant, bon, à un prix plus avantageux qu'à la boutique. Mais voilà, c'est ce que je vais faire, je pense, cette semaine. Ben je vous remettrai un mot dans la communauté quand je les aurai mis en ligne. Mais sinon, vous pouvez déjà aller vous inscrire, hein. J'ai déjà mis plein de broderies. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de broderies à vendre. Voilà. Et puis, il n'y a pas que moi qui vends sur ce groupe, hein. Toutes les personnes qui viennent s'inscrire sur le groupe, beaucoup vendent des choses aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Oui, donc je disais, là, mon pull Armel, bah, il avance petit à petit. Voilà. Je ne sais pas combien je suis là de cent... Ah non, Fifi, pas quand je suis avec la laine, s'il te plaît. Est-ce que j'ai mon mètre là? Je sais pas si j'ai mon mètre. Je vais regarder. Ah non, je l'ai pas. Mince. Je sais pas où je l'ai mis. Zut, zut, zut. Bon, je sais pas. Je dois être à 30 cm à peu près. Et moi, pour arriver aux emmanchures, il m'en faut 52. Voilà. Donc, il y a encore un petit peu à faire pour arriver aux emmanchures. Et voilà. Et après, les manches, c'est des manches courtes, comme, bah, comme mon t-shirt. Voilà. Donc, ça va aller vite à faire. Enfin, c'est des manches à trou-trou, hein. Vous savez que moi, les trou-trou, on n'est pas copains. Donc, on verra bien. Sinon, je les fais en jersey et puis hop, roule ma poule et ça ira. Donc voilà. Et oui, il est super léger, il est top comme tissu. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'ai fait en tricot. J'ai pas su faire plus, je vous dis, il faisait. Alors cette semaine, s'il y a des grosses chaleurs, ça va être compliqué aussi, hein. Parce que tricoter par ce temps-là, c'est dur. C'est dur. Alors Sonia, si tu passes par là, je n'ai toujours rien fait avec mon coton rouge. Enfin si, j'ai encore j'ai refait un essai. Alors je ne sais pas si c'est le truc qui ne me plaît pas. Non, mais ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas ce que je fais au crochet avec ce fil. J'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc, c'est pareil, ça va être démonté. Voilà, d'ailleurs, je le démonte tout de suite. Et je verrai. Alors, soit que je vais faire aux aiguilles, mais bon, ça c'est pareil, c'est une que j'ai eue dans le colis à 30 euros et j'ai eu 10 pelotes. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je démonte en direct. J'ai du mal. Ou alors c'est le fil qui ne me plaît pas. Ça se peut, hein. Bon, ce qui est con, c'est que. Pardon, excusez-moi. C'est que ça fait frisette après. Hein. Mais il faut le tendre et puis passer de la vapeur dessus pour détendre le fil. Voilà. Hop. Donc voilà, j'arrive pas à faire quelque chose avec ça. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas. Alors j'avais des modèles, j'ai trouvé des modèles, mais j'ai pas assez de pelote. Et celui-là, on ne trouve plus. Donc voilà. Là, ça va déjà commencer à se détendre en le mettant comme ça. Ouais, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi j'y arrive pas.
Donc, excuse-moi, Sonia, tu ne verras pas de top pour l'instant avec ce fil. Ouais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire la fois. Mais je ne l'ai pas descendu. Je vous montrerai peut-être la semaine prochaine. Ou vous rappelez que je me suis fait un top, un manche comme ça, avec le col en pointe, rayé blanc et vert en coton bergère de France. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je crois que c'est en dessous de la manche. Tous ces détritus, vous savez, le bord-cote sur 10 cm et sur la hauteur du bord-cote, ça s'est détricoté. Mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je crois que je vais devoir le détricoter, entièrement le bord-cote et le refaire. Mais alors, ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, c'est le truc que je l'ai mis quoi? Deux fois. Je l'ai porté deux fois pour l'instant. Et l'autre jour, je range mon armoire. Et je regarde mon pull. Je dis, mince, il est détricoté sur la hauteur du bord-côte et sur 10 cm de large. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors là, pas du tout. Parce que quand je l'ai porté, il n'y avait pas de problème. Alors, est-ce que... Parce que je crois... oui, je l'ai lavé. Si, je l'ai lavé. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que quand je l'ai lavé, il y a eu un souci, puis que je n'ai pas fait gaffe en le repliant, et voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc, je pense que la meilleure solution, ça va être ça. Ça va être de démonter tout le bord-côte de l'emmanchure et puis d'en retricoter une. Voilà. Je sais pas. Je verrai bien. Bon, ben, les copines, les copains, 1h22. J'aime pas. Je n'ai plus rien à vous montrer. Ah, ça, viens là, toi. Je n'ai plus rien à vous montrer. Vous avez tout vu pour aujourd'hui. On a fait le tirage au sort pour les broderies de la semaine prochaine. Voilà. Bon, je m'excuse encore hein, pour ma tête. Voilà. J'espère que je serai en meilleure forme la semaine prochaine. Et que surtout, mes douleurs seront parties. D'ailleurs, à cause de ça, je devais aussi vous faire la vidéo parce que je vous ai parlé que j'allais faire un concours pour les 8 ans de la chaîne et les 8000 abonnés. Cette semaine, je m'en suis vraiment pas senti le courage. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos hein, cette semaine. Donc, je vais essayer de faire ma vidéo cette semaine. Pour le concours. Alors, il y aura un concours pour gagner de la broderie. Et dans le concours... Alors, je pense que j'en ferai qu'un, hein, concours. Et puis, voilà. Je pense que je n'en ferai qu'un. Dedans, il y aura de la broderie et du diamond painting. Voilà. Mais bon, je vous expliquerai tout le moment venu. Je profite également de la vidéo pour vous dire, pour le diamond painting. Alors, j'ai un groupe, moi, de diamond painting depuis 8 ans également. Mais là, il part complètement en cacahuète, le groupe. On voit plus mes posts à moi que les posts des 2800 membres. Quand il y a des postes d'autres membres, je peux en compter quoi? Je peux les compter sur les doigts de la main, voilà, et encore. Les commentaires sont extrêmement rares, même les j'aime, voilà, c'est... Le groupe part vraiment en cacahuète. Donc, j'ai décidé de le fermer définitivement. D'ici la fin du mois,
Parce que, bah, au bout d'un moment, quand ça marche plus, ça marche plus, hein. Il y a des groupes qui, eux, explosent. Moi, bon, le groupe de broderie que j'ai, lui, par contre, fonctionne super bien. Mais là, le groupe de Diamond Painting, alors peut-être que c'est parce que moi, j'y suis pas assez, mais bon, je peux pas non plus me couper en 10. Puis moi, je fais, pour ainsi dire, presque plus d'épée. Bon, je ne fais pas en ce moment. Mais voilà. Mais j'ai reçu des messages, des gentils messages. Oui, tu devrais pas le fermer. Le groupe est top, tout ça. Oui, il est top. Oui, mais bon, il n'y a pas de. Il vit pas. Il vit pas le groupe. Et par contre, alors que l'adresse est dans barre d'infos, j'en ai plein qui m'ont dit, je savais pas que tu avais un groupe de DP. Voilà. Et c'est dommage. Alors, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je le ferme? Est-ce que je ne le ferme pas? J'en sais rien. J'ai, comment on dit? Je suis désolée d'expression, mais comme on dit vulgairement, j'ai le cul entre deux chaises. je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je le. Comment? Si je le ferme ou si je le laisse ouvert. J'en sais rien. Si jamais certaines d'entre vous passent par là et sont inscrites sur mon groupe, bah dites-moi qu'est-ce que vous avez envie que je fasse. Est-ce que vous voulez que je le laisse ouvert ou pas? Voilà. C'est vrai que là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Parce qu'en plus, je m'aperçois qu'il y en a plein qui ne savaient pas que j'avais un groupe de DP. Donc, voilà. Il faut voir. Bon. Ben écoutez, j'ai essayé de papoter un petit peu plus pour allonger la vidéo. Bon, 1h30, ça va? Voilà, ben écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc je vous fais cette semaine, j'essaye, si tout va bien pour moi, je vous ferai une vidéo pour le concours. Voilà, j'ai d'autres vidéos à vous faire également qui sont prévues. Pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Je crois que ce sera la semaine prochaine. Attendez, je regarde le calendrier. Non, ça c'est novembre. Si je regarde novembre. Donc, cette semaine, ça va du 12 au 18. Oui, c'est ça. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo de la box de Sabine. Et puis j'ai d'autres vidéos à vous faire. On m'a demandé également de faire une vidéo avec le fil Valdani. Bah, ça tombera bien puisque justement je vais recommencer ma broderie l'automne Quaker. Donc j'en profiterai pour vous faire une vidéo sur ce fil avec ma broderie. Voilà, et puis si vous avez envie de vidéo, dites-le moi. Bon, c'est vrai que je les note. Bon, je les fais pas toujours tout de suite parce que ben, il faut du temps. Il faut voilà. Mais si vous avez envie de certaines vidéos, si j'ai la capacité de la faire, ben, je vous ferai la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, hein. Il y a encore une grosse quinzaine de jours pour les vacances avant la rentrée des classes. Après, ce sera les vacances des parents. Ouf! Donc, bon courage à ceux qui travaillent pendant les vacances. Et moi, en attendant, on se retrouve là avec Fifi, bien sûr, la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Lundi, cette fois-ci, lundi, il y aura des. J'en ai pas mis la semaine dernière. Hein. Si, je vous en ai mis deux, mais tard, tard dans la soirée. Lundi, il y aura les vidéos unboxing. Puis après, je sais plus. Je sais plus. On verra. Allez, je vous laisse.
Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.